500 pavillons, Victor Lima. Hello, hello, désolé, on part que pour une petite heure aujourd'hui au lieu des deux habituels. Pourquoi? Parce que j'avais un peu du travail à terminer, donc bon, tant pis. Ça sera plus short, mais c'est pas exemple. Ça sera moins fun, peut-être bien même moins au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire pendant une heure? Eh bien, on va se chauffer avec une petite game. Juste pour vous dire que ce week-end, j'ai eu de belles choses sur la Wozyverse, c'est vrai. Et du coup, j'ai... On avait à peu près rempli les créneaux qui leur étaient attribués et je me suis pas permis de m'immiscer ce week-end. J'avais en plus d'autres choses à faire, donc c'était très bien. J'ai eu de super streams entre Just Bastou, Yves Bastien et Momo aussi. C'était vraiment fun. Donc voilà, allez, nous on reprend un peu de service aujourd'hui et on va partir en petite game le temps de vous laisser arriver sur le stream peinard. Allez, ça, on part direct en Salem. Il faut la fameuse campagne américaine. Le temps pour moi d'aussi de régler la musique qui devrait arriver dans... Voilà. Et voilà. On part avec un Lexington de chaque côté, Montana. Ok, ok. Ah, un breton en face. En Z. Ils ont un King de Mato. Bien sympa. Côté là, souvent je vais me caillouter et après je pars en kite parce que tout le monde fait un... a tendance à faire un limix versé. On verra bien. Action stations. Seattle aussi en radar, et nous on a Don Sky et moi-même, on a un radar de plus. Le mien comptant pour un demi-radar. Je suis repéré à 17, effectivement à 8,49. C'est pas l'arme ultime, c'est pas l'atout principal du Salem, le radar. Rune qui quitte la flotte, on sait. Ok. Non, non, je sais très peu, je vais mettre en kite direct. Affirmative. En place. Cet espace-là, en partant directement à droite, en mettant l'île en travers du... Roger. Par contre, j'ai remarqué qu'on a Kagero FK. Il facilite grandement la tâche. Il
Much obliged, Commander. Pourquoi mettre des sas mes parents en route à 5-2? On a pas des avions, s'il vous plaît? Tire vite, dis donc, j'ai un mal de chien à tuer. Putain, il va pas péter ma défa pour franchisseur. Provide anti-aircraft fire support. Enemy force detected. Battle. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Oh, j'ai quitté le train arrière. Mais non, je ne suis pas spoté là. Torpedoes to starboard. Bon, j'aurai des torpilles qui vont arriver, donc voilà, ça c'est les premières torpilles, puis c'est torpedoes to starboard. Torpedoes to starboard. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Ouais, voilà, les torpilles sont de ce côté. Merci de me toucher. Merci beaucoup de me toucher, Musashi. Ça par contre, c'est pas agréable. Je le dis comme je le pense. Il y a des torpilles. Sur le nez, on va détirer. Kagero, je sens que je vais m'énerver dans 5 minutes de lui faire un petit report des familles. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Et moi je me barre en kite et j'ai mon ulti maintenant. Thank you.
installed, sir. The enemy team has taken the lead. Pas d'incendie, pas payé. Torpedo, direct front. Chercher ces... Oh là là, on s'est fait dézinguer. Il faut aller chercher. Oh là là, on a perdu déjà tellement de shit. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Ouais, ils ont un schéma qui fait le taf quoi. Kagero n'a fait rien du tout de mon côté toute la game. En plus, il est arrivé 5 minutes après le départ. Ça commence bien. On va retenir tout seul sur A quoi. Qui a perduré sur C en fait. Kero non marche. Elle est bien perdue, on a Montana qui part hein, je sais pas où. Et qui pousse certainement pas un cap. Alors on a le Z breton qui pousse sur C. J'étais même pas obligé mais ils vont quand même. Pas été farming, même l'autre, le Shima, je sais pas ce qu'il a fait, mais on a dit c'était pas flamboyant. Oui, on en a un autre ici. Qu'est-ce qu'il. Ça, c'est cool. Il chasse un CV, c'est pas la peine. Hein. Aller au fight avec le Z. Ouais! En plus spoté par les bombers. Allez pas faire, hein, parce qu'il se rapproche de Donskoy. Round qui finit le Z.
les torpilles qui vont faire de l'ex. Bon, c'est terminé, on a plus de l'ex. Yamato qui démonte un rune à 2 km. Je donne ce qui tombe, ça tombe comme des manches. Bulo versus Bulo. Ce Shina va avoir une flex au canon. C'est quoi lui en fait? Ah, je pense qu'il attend. On aurait pu tarpiller entre les deux îles pour le Yamato, mais on peut pas le faire. Et après, je vais tarpiller dans le dos d'un Lex. Ça n'a aucun sens. Il va tomber dans le radar d'un Seattle. Asmaté en bad bye par un équipement. Détonation sur Yamato. Paramètre d'équilibrage qui s'est mis en activation. Quoi? Salut bon Olivier, comment vas-tu l'ami? J'ai pas pu prendre à 10h, j'avais du travail à terminer, à fignoler, donc malheureusement, le travail passe bien avant le jeu vidéo. Enfin, heureusement. J'aurais bien voulu prendre à 10, mais heureusement, c'était pas possible. Allez, celle-ci, elle est à mettre aux oubliettes. C'est terminé dans 3 secondes. Qu'est-ce que ça va donner au niveau des stats? J'ai vraiment le sentiment de m'être fait push en A comme un sale. Oh là là, Shimakaze. J'ai bien vu qu'il y a plus rien. Ouais, les deux Shima qui font ça. Le Musashi qui est avec moi qui fait rien du tout non plus. C'est focus parce qu'on n'a pas de spot du Kagero qui était AFK pendant 2 minutes. Et GG leur DD qui ont fait le taf, hein, 2600 d'XP de base pour leur Shima, GG. Allez, bon, on va y retourner parce que je veux pas rester là-dessus, c'est pas possible. J'aimerais bien qu'on ait enfin des DD actifs et présents dès le début de la game, s'il vous plaît. Là, j'ai retrouvé au fait, j'avais reçu des demandes. Tu serais une radio, quelle radio? C'était une web radio, après on s'est fait recruter par une instance américaine. Mais en fait on passait des titres indépendants, et c'est un des titres qu'on passe à la radio, notamment suisse. Alors, JRF, on a un français, Marc avec nous, un français ou belge, je l'ignore. On a de nouveau des CV Tier 8, un Choka avec nous, Lex avec eux. Et en face, personne que je reconnaisse non plus. Donc je pense aujourd'hui, bombe Olivier, qu'on va peut-être pousser jusqu'à 13 pour de faire 2 heures, je sais pas encore. Ça dépend s'il y a du monde, honnêtement. Ça dépend. General quarters. Allez, est-ce que notre Captain Scarlett va faire le taf? On l'espère. Allez, parce que, hein... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, clairement pas. Salut, The Swagger.
là je joue plus en kite à mon avis. Du spot. Alors on est salé. Bah, la première game t'aurais vu que effectivement j'ai eu des très bons DD qui ont rien fait. Et notamment un qui en plus de mon côté était AFK, donc on s'est fait surtout saucer. On s'est fait saucer, donc je suis pas salé, j'ai fait des petits clics droits avec des reports sur nos DD parce que ils ont fini en bas de tableau, ils n'ont rien fait. Et on s'est fait push comme des sales partout. J'ai réussi à sortir un DD avec mon radar mirobolant à 8,49 que je ne mets même plus en consomme prévient tellement il est tout moisi. On a Shima là-bas, on a Yamato surtout qui va attendre que je porte une bordée pour me tirer dessus. Shima qui spot en plus notre Kaba, heureusement ça file derrière. Un des moines là-bas. Gars, c'est pas pour aujourd'hui. Il est 2007, pas d'incendie cependant. Elle est pas non plus poussée, mémé. Démon qui s'est fait smoker par contre. On a un GK qui va rentrer dans la dent. Aïe, République derrière qui en met aussi dans la couenne. Encore détecté. Par quoi? Ah putain. Un bout de portée sur le GK. Je suis là-bas. Partir. On a toujours le Shima là-bas. Qui est bien collé là. Pas de mobile sur cette partie là, même si on a un répu qui le push. Là, typiquement, le répu, le DAF, moi, faudrait que je retourne avec ce république. All forces provide cover for that target. Enemy battleship sighted. Provide anti-aircraft fire support. All stations reporting the position of a strategic target. On doit y rester là. Je pense que on a cheveux sur le pont.
pas d'incendie. Hein. Bien inifugé ce Yamato. Donc on sait tous les canons avec du produit bien inifugé. Ah mais Flight était du même clan. Ils ont tenté un snipe à... Ils ont tenté un snipe. Ah, il est parti de mon radar, de par là. Le bombe AP. All stations, reporting the position of a strategic target. Tabac, il fait un petit peu sa life. Hein. Je veux bien. Ok, notre Shima par contre fait vraiment le café. On a un GK qui se la tire tout droit là par contre. Et yo, Lord Tiberius Solar, comment ça va? Ouh, il s'est bitché. Super avion. Récupère mon radar dans une 40. Qui est toujours spot avion. Problème derrière. Oh, d'ailleurs, on a Mosva PLS. Bientôt justement qui finit le Mosva. Alors. Les rochers, il reste 15 kps à ce Yamato. Il n'a pas. Yamato va sortir. Il faut que je me méfie de mon flanc là. Mon flanc est ouvert à Repu et Inden. Vraiment la meilleure.
tiens, j'ai plus de... Oh là là. Bien, je pouvais me faire dévaster. Réparation incendie. Honnêtement, je m'en sors, je sais pas comment. Oh, je reprends 15 000 sur les fesses. Pas de tirer. Et Terrano, Dabou. Oh. La mort. Elle m'appelle. Ouais, j'arrête de tirer. DFA? Non? Torpedoes to port! Je veux pas droit DFA. Bon, je fais 100k, mais dans la douleur. Hein. On a eu des bébés très statiques aussi. Hein. Aniden qui a pu prendre le cap. À part le GK. L'autre GK qui m'a accompagné jusqu'ici et le Répu qui ont bien, qui ont bien poussé. Derrière, hein, c'est... Ouais. Les deux là sont un peu regardés le nombril. Bon. 27 km, normalement les torpilles ne toucheront pas. Le son de mon micro est trop faible par rapport au son du jeu ou inversement. Ok, alors je vais essayer de régler ça juste après. Alors attends, peut-être que même je peux le régler maintenant. Est-ce que c'est mieux là, mon cher Terrano? Déjà, je parle dans le micro, c'est déjà un peu mieux. Bon, pour être clair, il en reste un DD comme il nous reste un DD. Je pense que le prochain DD qui tombe fait basculer la balance, définitivement. Parfait. Bon, écoute, merci Terrano. Merci beaucoup pour ton retour, l'ami. Et Lexington, j'aurais pu choisir de garder ma bordée pour lui. Je sais pas si j'aurais peut-être dû chercher... Ah, j'aurais pu chercher le kill avec l'angle qu'il avait, qu'il prenait. J'en doute. En rétrospective, j'en doute. Eh bien, ça prend un tir sur le Shima. Sur un malentendu, ça peut passer. Non, c'est dans la flotte, malheureusement, pour ce GK. Oh, tu me diras, la précision n'est pas... Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Notre Shima prend des tirs du République qui est bien plus précis qu'un GK. 992 PS, aïe aïe aïe, 600. Tant. 100 PS pour notre Shima. Et non, c'est notre Shima qui tombe en premier. Ça, c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Après, quand on a un GK à 5 minutes qui a encore 69 000 PS, et dans une game aussi serrée, c'est dommageable, on va dire. Derrière, voilà, il va envoyer des bombes à paix. Les bombes à paix, le GK n'est pas friand. Il a bien réparé le heal que je lui ai mis. On a bombe AP versus bombe HE régulière hein, du côté de notre Shuka. Ils ont un Shima en vie. Donc danger pour notre Yamato là. Il se dirige droit dessus. Faudrait que le Shuka spot le Shima et qu'il y ait une bordée dévastatrice dessus. Oulala.
plus ça se concentre au niveau entier sur le Yamato, même si du CV tier, de l'avion tier 8. Et bien l'avion tier 8 va pouvoir au moins aller caler deux torpilles dans le buffet du Yamato. Il perd un avion, mais il cale quand même deux torpilles. Voilà. Donc s'il en prend une autre, à mon avis, il risque de se prendre. Ouais, CV Spotshima, c'est clair. Et voilà, les torpilles du Shima. Et il va la prendre pile poil dans le nez. Avec, voilà, ben le flooding qui est en cours. Notre CV qui a pas su spotter ce Shima. Alors qu'il était dans sa smoke. Et, voilà, le tour de la game, c'est notre CV qui va pas spotter ce Shima, quoi. Et qui va s'entêter à aller envoyer des avions sur un République qui est très très bon en anti-air. Voilà comment un CV peut faire tourner une game, malheureusement. Ouais, attention, CV sans drapeau, sans camouflage. Pas de problème. Je pense que CV aussi, pas au point. Votre contact vous attendra à l'aéroport du Caire. Procédure habituelle. Là, d'ailleurs, hier soir, je suis tombé dans une game random avec Steph Quick, gain 2, et pas mal de Français. Je suis tombé aussi sur Sanakan avec des spams moins, c'était vraiment cool. Bonne ambiance en règle générale. Bon, il passe devant. C'était à prévoir. Notre CV. À moins un coup d'éclat, j'y crois pas. Moi aussi je sais qui vous êtes. Vous n'êtes pas Jamila Narubi, mais la princesse Altarouk, la nièce du souverain d'Égypte Farouk. Je suis bien la nièce de Farouk. Alors CV par contre a très bien fait le spot sur Noshima par contre, à contrario. Il a été exilé il y a Et ça va nous coûter une win. Plus moi qui meurs dans d'atroces souffrances comme une chips. Et puis s'il va sur le dernier point connu, il va pas chercher là où, le fait qu'il a pu bouger, notamment qu'il ait pu se rapprocher du GK. Quoi. Il doit être en E, D, 6, 7 là, le Shima. Longtemps qu'il est parti d'ici. Hein. Vu l'angle des torpilles sur le Yamato, il est ici hein, le Shima. CV m'exaspère réellement, je suis désolé, mais c'est non, quoi. Il va pas les torpiller sur le GK, enfin... Là, sur le dernier point, comme s'il avait planté les freins à main depuis une heure, c'est pas du tout un bon comportement d'un CV tier 8, quoi. Il y a 4 tirs de CV, et en plus, là, ça y est, il est enfin spoté, mais c'est trop tard. Mille fois trop tard. Avant de partir, sale espion. Une fois trop tard. Il va tenter quoi, un blind dans la smoke ? Ouais, il va se faire push par les fighters. Qu'est-ce que... Bon d'accord, il allège ses bombardiers pour s'en aller. Voilà, GCV. Il y a moyen de div avec toi, Crosswax, mais bien évidemment. Es-tu sur Discord, mon cher The Swagger? Et d'ailleurs, pour div, il faut taper point d'exclamation join. Et au moins, comme ça, derrière. Vous avez normalement le Discord qui est affiché ou un point d'exclamation Discord. Encore une fois, on a des CV, des DD qui font pas le taf. Hein. Kaba aussi. Et moi qui est parti solo. Hein. Es-tu sur Discord donc ? Ça va friser. Si tu y es, je viens te chercher. Oui, The Swagger, il est avec nous. Comment ça va, cher ami ? Salut. Salut. Et paradoxalement, il voit. Si
si le chat a la queue verticale. Attends, bouge, j'ai eu peur, ah ouais, j'ai trop peur. C'est quoi ta... Merde. Tes sons là, parce que cette musique d'OSS 117... Elle est magique. Ça m'intéresse. Cette musique d'OSS 117 s'appelle Le Bon Entendeur. Sur OSS 117, tu la trouveras sur YouTube. C'est deux DJ parisiens qui s'amusent à mixer des musiques et des films en même temps. Et des films cultes. Donc celle-ci, elle fait 55 minutes et je la mets dans la voiture dès que je vais à la plage, dès que je vais surfer, c'est un super bon moment. Donc ouais, Bon Entendeur, en deux mots, et OSS, espace OSS 117. Et donc ouais, si vous voulez nous joindre sur le Discord, vous êtes les bienvenus. Alors, on change... il me reste une place en division, tiens, une fois que j'aurai Join the Swagger. D'ailleurs, t'as ton micro de coupé hein, sur Discord. J'ai mon micro de coupé sur Discord, est-ce que ça doit être chose... Voilà, chose réparée. Ah. Autant pour moi, j'ai des petits raccourcis clavier, des fois je m'en mêle entre F13 et F14. Ouais. Est-ce que Lord Tiberius Solar d'LTB est Join? Oui. J'aime ton style. Non, Tiberius Solar, il y a aussi le Discord. Il est chaud, il est là. Hop! Salut Tiberius! Laissez un peu la musique. Salut! Du coup, je coupe le son du lit du stream. Je peux t'avoir en double. Donc, pas de soucis. Tu m'en voudras pas si je prends un tiers en dessous? Mais du tout, on va prendre du neuf parce que je sais que The Swagger, il doit faire des crédits. Pas du tout. Je suis à 19 500 000. Oui, nice. Un jambard avec nous. 19 millions. Je suis à 41 ouais. Millions, ça va. Oh, d'accord. Problème de riche, hein. Olive, il a passé le milliard ce week-end. Non, sérieux? Si. Il est là en plus sur le stream, Olive, je crois, je l'ai vu passer. Il a pris un petit screen de son écran. Le milliard, ah ouais. Regardez, j'ai le milliard, waouh. Ben maintenant, Olive, si t'es là, t'atteins les 2 milliards, comme ça tu diras que t'es un multibillionnaire, multimilliardaire, au lieu de simple milliardaire. Voilà. Moi, j'attends le deuxième. Mais le milliard dans le jeu. Alors celle-là. Ça m'en bouche un peu. Oh, le double jambard en face. Oui. Parfait. Après, on lancera des snaps si vous êtes chaud dans le chat. Bon, désolé les gars, je devais commencer à 10, mais j'avais du boulot en retard à finir. J'ai pensé faire 8-10 sur le boulot et regarder Attila en même temps, mais j'ai dû faire 8-11. Voilà. J'ai deux comptes rendus de TP à faire, alors. Terme de boulot. T'inquiète pas que. Waouh! Tu veux juste dire de l'ordre dont t'as coupé, excuse-moi. Non, je pensais que tu t'entendais en double, vu que là, je pensais que le fond de. Ton sortie était un peu trop fort. Non, ça va. Action stations. Justement, j'ai baissé la musique quand on est en div. Cool de. Avoir la musique en fond. Donc ouais, mon cher The Swagger, télécharge ça, c'est vraiment cool. Et puis tous les titres de Bon Entendeur sur YouTube sont vraiment super, super bien fignolés. Ah bah là, c'est déjà dans les oreilles, là c'est parti. Hein. Mais vous écoutez ça quand vous êtes à un bon road trip tout seul dans la voiture, mais vous marrez. Si vous aimez OSS 117, vous marrez mais comme une pipe pendant 50 minutes. Même pas besoin de ça, juste pour chill, ça va, c'est bien. Ouais, pour chill, mais du par dans les transports, etc., quand t'as vraiment un long trajet. Ouais. Le truc sur ces 117 qui me fait rire, c'est Bambino. Ah, bah elle y est aussi, elle y est à un moment donné. Celle-là, elle est culte. Ah ouais. L'avantage, c'est qu'ils ont été assez cool, ils ont pas encore de problème de droit d'auteur. Donc, c'est encore une des rares chansons que tu peux diffuser sur Twitch sans te faire strike. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Et ouais. Perso, je trouve que cette histoire d'article 13. Bord de rire. Ouais, mais je pense pour ceux qui étaient protégés avec notamment les grosses sociétés comme les Squeezie, etc., qui étaient vraiment protégés jusqu'alors et qui maintenant le sont en plein dedans et qui ont un peu le problème de tous les autres youtubeurs, petites chaînes, etc. Moi je trouve ça cool pour un pied d'égalité. Après, cet article 13 est une vaste farce, je soutiens pas du tout cet article. Le truc où tu utilises un meme qui est un peu en HD et tu te fais strike, non, faut arrêter quoi. Et ce robot, il est vraiment en mode. Le robot de YouTube est vraiment en mode nazi, hein. Je confirme. Disait quoi ce souvenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je trouve que c'est clairement abusé parce que certaines boîtes sont suffisamment déjà pétées de thunes pour
Alors qu'ils disent, ouais, non, mais ça, ça nous appartient. La vidéo, elle est monétisée, mais pour nous. Ouais. Non, mais, pour faire très court et pour rappeler donc à ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'article 13, c'est une loi qui va être votée ou qui est en train d'être votée au Parlement européen pour limiter drastiquement l'usage des, du copyright et donc enlever tout ce qu'on appelle le fair use. Casé, prends-toi tes torpilles. Le droit, la parodie de ça serait totalement oublié et donc en fait on serait en mode très très strict sur tout ce qui est droit d'auteur et propriété intellectuelle. A savoir que si tu utilises le swagger 10 secondes de, imaginons Smoke on the Water, ok, une vidéo YouTube qui fait 1h30, tu utilises 10 secondes de Smoke on the Water, ta vidéo déjà ne serait même plus uploadable sur YouTube parce qu'elle contient 10 secondes d'un titre protégé par une propriété intellectuelle, donc un droit d'auteur. Et si jamais elle arrivait quand même à être publiée, tout le contenu de cette heure et demie de travail serait redistribué aux ayants droit de Smoke on the Water. Voilà. Et c'est sympa ça. C'est sympa. Donc il n'y a pas de côté, comme disait le joueur du grenier, où tu peux payer une SACEM équilibrée sur l'utilisation d'un titre de 10 secondes. Non, c'est tout ou rien. Voilà, c'est ça l'article 13. C'est vraiment de la merde. Bienvenue au 4ème Reich. Ah ouais, là c'est... Ouais, ouais. Et l'Ozolvac. Je crois qu'on a Jean-Barre en marche arrière là-bas. Jean-Barre, il m'a collé une cita cette fois. Ça serait bien qu'il finisse le kit. Ouais. J'ai vu, 2000 HP. Il y a Mogami aussi qui se planque, la carte est tirée. J'ai encore 5 secondes de radar. Casser une tourelle sur le JB là-bas. Allez, s'il te plaît. Merde. Ah. Toi, t'es parti tout droit en alpha. Hein. T'as fait. Allez, c'est par là-bas, c'est chez moi. T'inquiète pas que. Yes. Joli mec. Très joli. Ah, déjà sans moi. Il y a lui là qui doit être par là maintenant. Ouais. Bon, en fait, j'aimerais bien qu'il me tire dessus. Torpille. Ah bah voilà, gars. Plus les torpilles du Mogami, j'ai l'impression. D'ailleurs. Attendez-moi c'est les copains. What the fuck, ça sort tout tout ça. Bah y'a Kita, Esh et Mogami pardon. Ah la troisième non, s'il te plaît. Jervis. Oh. Ouf. All skill, no luck. Yes, il est parti dans les 12 km autour de moi, hein, le Mogami. Le cap c'est déjà capé, magnifique. Bon, je maintenant je vais vous laisser passer. Oui, je prends le relais. Le tanking, c'est mon problème. Par contre, il faudrait que... Moi, je te dis, je fais des rushs. Il faudrait que notre Fletch, il spot le Mogami. Mais le Mogami, il est reparti tout fou là-bas. Il est carrément passé derrière l'île. Ok. Torpi arrive de là, quand même. Donc, je sais, mais le temps qu'elle fasse ses 10 km, je dirais qu'il est, il est là. Là où tu pings. Il passe à l'HE parce qu'il est de face, le jambard et qu'il est très vulnérable à l'HE, mais chut, faut pas le dire. Ça fait rien parce que je vais l'entraîner contre. T'as une ifugée ? Je vais le mettre. Je vais le mettre full survie là, j'ai fait le build principal pour le jambard. Et là, la prochaine étape pour un petit dasha là, ce sera le full survie. Yes. Dash. Ouais, ce lemming, je suis d'accord avec Zolvac, effectivement, on fait un peu lemming. J'aime me beurrer la biscotte. Allez. Oh, plus je suis bonisseur de la pâte. Full HE 1000. Oh, ça se fait. Allez, il crame. Ça y est. Faudrait le fumer. Quand t'as 13 bornes. Bon, ce sera ma dernière bordée l'HE et après je pars à d'autres choses. Les torpilles, faites gaffe. Torpedoes, direct front. C'est vrai que ça l'a fait. Ouais, ah oui, d'accord. Oh, il est chaud le Mogami. Lui est parti pour jouer le DD. On va du passer à la paix. Dodge ça. Atlanta, ça m'intéresse. On va finir le jambard. On va finir le jambard. Non, non, il y a un Atlanta qui est bien plus broadside et qui est bien plus appétissant en B. Ah. Je t'avoue que là. The ship is on fire. Je peux claquer 12 de Rhino d'Antiberius pour finir. Je peux juste claquer. Hein.
Non, 3 overpen et 2 ricochets sur l'Atlanta. Roadside, oh là là. Il suit tir à la hache. On va finir ce jambard, les amis. Hein. Ouais. Je suis sur le projet. Le projet, donc. 2000 PS, je vous laisse. Hein. 2000 HP, les gars. On veut pas. 300, allez. Allez. Mon gamin est là. Allez. 350. Fuck me, il va mettre une barre des broadside. Yeah, je pensais que vous le terminiez, je me suis dit broadside. Oh, il va me découper. Bâtard, il m'a découpé sur son dernier hit. Oh, il t'a dézingué. Ah, putain de... Pour moi, il était mort. Défaite annoncée. Ah, ouais, ouais. Alors, maintenant, on va passer à la baie, on va un peu rigoler. Oh là là, je sauve à peine les meubles avec un 30 900, quoi. C'est pitoyable. Merci d'avoir dégagé. Je suis sur du 30 000, ouais. 1900 aussi, grâce au jutland que je viens d'imploser. De cet attentat devait mourir. Hein. Ouais, ça je suis d'accord. Je pense que Tiberius il peut se faire un gros zizir sur l'Atlanta là, là oui. Non, attends, c'est pas pour lui, c'est pour. Le truc c'est que j'ai le Seattle. 4 overpen sur un Atlanta, moi je dis encore cette mécanique de merde. J'avoue. Heureusement, crunch tap. Mais l'autre, il réfléchit pas. Il nous fallait qu'on soit 3 pour le finir, cet Atlanta. Normalement, il devait imploser sous mes obus. Ça porte à combien les torpilles d'un Atlanta? 4-5. Oh, ça va. Oh oui, ça va, t'es safe. Alors, double Seattle, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Pardon. Oh, moi, je le rentre dedans. Moi, je rush. Bien que ça devrait. En espérant que Fletch... Le premier, je l'implose. Le deuxième, je lui fais... je le ramène. C'est ça, le plan. Hey. J'aime ce genre de plan. Un plan bien huilé. Ils vont vouloir faire. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Oui. Attends, attends, tu vas m'empêcher de tourner. Ralentis. Je suis en boost vitesse, donc... Ralentis. Tu vas ruiner mon plan. Il va me découper à la paix, arrête. T'inquiète. C'est... Oh là là, ça va être moche. Ça va être sale. Allez. Alors, est-ce que... Oh, joli. Vas-y, tu termines celui-là, je termine celui qui est sur la droite. Deux faces, ça marche, à mon avis. Ouais. Oh, ça doit marcher. Mauvais. Il va te ram, il va ram Tiberius. C'est toi qui va te faire ram. Merci du bouclier. Non, mais normalement il le tue sans en restant en vie. Ouais, joli. 2000 HP. 3000 HP, la base. Allez. Allez, frappe double. Oh, dommage. 650, ça tient. Ça heal du côté de Tiberius. Ça heal toujours. Allez, oui, joli les gars. Bon, par contre, là, tu meurs du jambard. Hein. Si le gars qui est le boost de reload, j'annonce. À un moment, il peut claquer une bordée sur Jervis. On se fait l'Algérie ou le Jervis? Ah, je sais pas. Algérie, pardon. Allez, Algérie. Algérie, faut le focus. Oh merde, putain! Je t'ai pas focus sur la contrôle, désolé. Oh, il a pris un feu. Deux overpen, s'il vous plaît. Oh, joli, monsieur Tiberius, là. Oh, un 18 mots. Oui, Zolvac, ce matin, achat et config du H4, oui. Oh, l'autre, il m'a balancé les torpilles, le con! Oh, les torpilles alliées! Oh, les torpilles alliées! Non. Ah, c'est la loose! Mais lose. Pro, non, t'es pas sérieux! Ah, c'est la loose! Il va en prendre. Laissez cinq. Pas taper cet idiot! Ah, c'est génial! Rame le jambard! Ah ouais, si je peux! Rame-le! J'en prends deux! Tu en prends deux, mec! Mais non! Non, me dis pas qu'il me bute! Il te bute. Allez, pas, meurs. Il prend une sanction! Très joli! Il est sorti du haut là, la salle! Ah, nice! Très très joli. Ah, il t'a sorti. Ah, il a fait une double, il a fait une frappe double. Ouais, frappe double, mais c'est bon, on la gagne. Attention. Ah, le genre de bonne game que j'aime. Dommage, j'ai pas de citadelle sur le niveau de fou. Ça fait une belle game, les gars. Hein. Et n'importe quoi. Bah, j'ai... Ouais, non, j'aurais dû vraiment attendre que ce jambard soit mort avant de tourner. Ouais. J'ai là, je voyais ah, brûler. Il a bien joué, le jambard. Il a bien joué, hein. Parce que le 300 PS réparé et m'envoyé une bordée où il m'a mis double citadelle. Moi, il m'a mis une citadelle début de game avec juste sur la partie arrière du bateau et quand je passais l'île. Ah oui,
aller le crunch chat aussi, c'est fort, hein, tu vois. Crunch chat, allez. Focus sur l'isomo et fini. Juste qu'il fasse attention de pas se prendre des torpilles. C'est la première fois que je débloque un indestructible en jambard. Ouais. C'est quoi, t'as bien fait de te connecter sur la chaîne console, ça va. J'ai fait 121 000 points de dégâts et de l'auto détruit. Ah, 130, bien joué. On est mort de rire dans le chat. Y'a de quoi. Ce move à deux était monstrueux. Nice. Comment Tiberius il a croqué du Seattle. Je suis dégoûté par contre, j'ai mis 2700. Mais par contre, si le Seattle m'avait pas ramé, je serais encore plus loin et j'aurais pu finir le game. Ah, je suis désolé, normalement. Enfin, c'était moi qui ai mal tiré en vrai. J'ai mal tiré. J'ai mis 2 overpaints sur 9, au plus j'étais pas pris. Il était pas ça t'a tiré. Bon, joli ouais. Monsieur. Vous allez vous retrouver en haut de tableau. Merci, hein, merci. Bon alors, le dernier arrivé est Antivirus. T'as choisi ton tier 9. The Swagger. Ouais. Vas-y, à ton tour. Oula. Oula quoi. Attends, j'ai que l'embarras du choix. Ah, si je continue comme ça avec le jambard, je finis dans les 5 premiers du serveur. Dans l'utilisation du jambard. T'en as combien de tirs dessus ? Là pour le moment, avec mon jambard, j'en suis à 80% de win rate. Ah oui. Pour 110 000 points de dégâts moyens. Ah pas mal. GG. Et 1774 de PR. Joli. Mérité. T'as combien de batailles avec 19. Ça va, oh la vache. T6. Un petit clubbing en guidé, c'est ça. The Swagger il est monstrueux en guidé au passage, hein, avec son 152 mm, il met des citadelles à tous les tours de bras. Bien sûr que non. Dernière fois que j'ai joué en guidé 2, il y avait Stargate en face en porte-avions. J'ai fait 0 de dégâts. Voilà. Stargate aussi. Stargate quoi. Stargate il m'a pas lâché de la game l'enfoiré, j'en pouvais plus. C'est pour ça que le guidé 2 je l'aime plus trop. Au début j'aimais beaucoup, et après c'est devenu un petit peu... Ah ouais. Ouais. Alors... On tombe dans une game tier 7, avec des T5. Grosso mal, merdo, ça va. Mid-tier. C'est ça qu'il devrait faire pendant toutes les games. Du plus 1, moins 1. Pas ouais. Du plus 2, moins 2. Mais après pour les tier 5, ça en est en plus 2 aussi. Ouais, c'est ça. Bon entendeur, c'est mec, c'est incroyable. Plus 1, moins 1 pour tous les tiers. Ah oui, c'est incroyable, bon entendeur. C'est incroyable parce que rien que le son, le rythme, le son, la musique est bonne. Mais ouais. Avec les punchlines d'OSS 117 derrière, c'est juste parfait. Ah bah oui. Aïe aïe aïe. Bon entendeur. On en fait plein d'autres, hein. Je t'invite, enfin je vous invite à écouter. C'est. Truculent, cette non, mais c'est bon, là c'est gravé dans ma tête. Là. C'est. General Quarters. Après, moi j'ai téléchargé toute la playlist parce qu'ils l'offraient gratuitement sur leur compte SoundCloud. Je sais plus si c'est toujours d'actualité parce que sur SoundCloud, malheureusement, et on y est d'ailleurs sur la chaîne, t'es limité à 100 téléchargements et après ça se bloque. Après, c'est payant non, non, c'est pas payant, c'est juste que le compteur s'arrête à 100 et au bout de 100, bah, soit il faut re-uploader la chanson et c'est un poil pénible. Oh, c'est chiant. Ouais, un peu. Ouais. SoundCloud est très mal fait pour ça. Très bien pour certains trucs, sur ça c'est. Ah, j'avais un pote qui faisait des sons. Pas de puis, je sais pas ce qui est devenu. Toutes les musiques si que je fais. Je vais aller regarder un petit peu, c'est Igon. Ouais, mais toutes les musiques que je fais qui sont sur SoundCloud sont téléchargeables gratuitement sur le lien qui sont sous la vidéo. Qui est sous la vidéo, pardon. Des musiques instrumentales à 99% que j'utilise pour les Funtage World of Warship. Quand j'ai des bonnes games. Quand j'ai des bonnes games. Hein. Ce qui est assez rare. Oh, comment ça trash talk. Ah ouais, non mais ça, entre The Swagger et moi, c'est tout le temps comme ça. C'est amical. Troll mignon. C'est amical, toujours. Attention, si tu sens des torpilles encore arriver par derrière, c'est... T'inquiète pas. C'est plutôt de devant que j'ai peur. Bon, bah y'a l'air de pas avoir de DD qui viennent verser. Ouais. Ils sont pas très chauds. Décale de toi parce que ça pue. Toi tu prends des torpilles un peu random.
Allez, crame mon coco. Je suis spoté à 6 km 6, à moins qu'il y ait un mec qui ait balancé des torpilles à 6 km 6. Hey, crame encore, double incendie, allez. Joli. Oh, pas tenu. Peut-être l'Algérie. Parce que là, vu sa position, tu peux limite passer à la paix, hein. Lionberg, il est bien broadside, il mérite, hein. Bon, il se kite maintenant, mais... Ouais, il kite. En tout cas, c'est bien, il y a toute la team adverse qui vient vers C, alors que tous leurs DD sont sur A et B, c'est plutôt cool. J'avoue. Comment il m'a pété mon... J'avance encore un peu et puis je vais foutre une smoke pour retirer. C'est qui m'a pété mon gouvernail? Je porte plainte contre lui. C'est intercepté. Les zones. Moi aussi, je balance là. Balance? Bon, je me trompe, je balance. New York. Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Le plus grand bien de vos harengs pommes à l'huile. Alors. Algérie. Oh, j'ai un micro lag. C'est trop bien de jouer avec Jean Dujardin qui te fait un tuto sur les pistolets derrière. Ouais, donc j'avoue. C'est trop bien. Il va se prendre une torpille, je crois, le Gnaze. Putain. Il a pas pris de flood. Il a pris un incendie de ma part. Je vais te respotter le New York, je pense. Et il a réparé le Gnaze. Par contre, faites gaffe aux croiseurs qui vont. Faites gaffe aux croiseurs qui viennent de là. Surtout le New York là qui me. Hop, un incendie sur le. Ils vont arriver de là. Un New York qui. Ah, tu l'as vu le Fubuki? Je te couvre ta fuite. Ma smoke se termine. Et la mienne commence. Ok. Je peux te. Ah, le shorts. Attention, les miennes sont très courtes. Pourquoi suis-je détecté? Ah, je sais. Ah, par le shorts. Ah, oui, d'accord. Le shorts, fais gaffe. Pas vu. Je vais me foutre un hydro. Au cas où. Je suis détecté dans le shorts. Par contre, je vais chercher sans doute ce fou qui mérite là-bas. Vraiment ici, dans sa smoke et qui a pas bougé. Hein. Qui attend. Non, j'arrive avec toi. Non, faut d'abord finir New York. Il va se prendre. 2, 3. Une. Une. Non, une seule. Marche arrière. Une seule, deux. Deux. Putain, mais y'a aucun flotte, c'est un délire. Aïe. Tu ne prends pas de flotte ni de feu par contre. Moi j'ai réparé, s'il te plaît. S'il te plaît. Yes, yes, yes. Ça y est, feu. Oh non, feu. 25 secondes de feu. Je vais chercher les deux là. Je vais repasser sur B. Ouais, bah ouais, je crois qu'il y a Nicolas qui se gère, mais. Ouais. Je pense que le New York va repartir en marche avant. Ah bon, est-ce que. Non, il brûle. Lui, il a l'air chaud pour reculer à fond. C'est mon incendie qui crame. Tranquille. Ouais, ouais, je vois ça. Ouais, je pense que je vais essayer d'aller les choper en passant de B. Puis si je peux choper le Funky au passage. Donc je gardais combien de torpilles? T'es spoté à combien avec le. Carus, hein? 2 ronds. 6-6. Smoke screen set. La même balistique que les Américains, à peu de choses près. Miss New York. Toujours en marche arrière.
Ça joue bien en face. Ça joue statique, mais pas mal. Avec les deux, à part les deux là qui jouent pas mal ici. Moi j'aimerais bien terminer ce book, mais y'a personne pour. J'aimerais bien que le Nicolas. Une minute, ouais, c'est chiant. New York, ah, mais vient de réparer. Ah, c'est vrai. Il va t'intéresser évidemment. En tout cas, je suis en train de coincer le Fubuki, okay, je vais mettre l'hydro, je vais voir si quelqu'un peut pas lui tirer dessus. Ok. Il est derrière l'île, il est coincé. Je suis couvert des deux là-bas. Je vais quand même mettre ma sauna. Bon, incendie qui va, ouais, qui va normalement tuer le New York. Smoke screen set. Bah. Allez, cherchez Fubu. Lindenberg. Attends. Oh oh oh, et de l'autre côté, arrêtez de mourir là. Ça dépend pas de nous, ça. J'avoue. Oh, ça m'énerve les teams qui s'effondrent comme ça, quoi. Joli. Ça dégage. 10 secondes pour mon hydro. Ah justement je vais arriver avec le mien. T'inquiète pas, attends, 5 secondes. Je suis juste slow as fuck hein. T'es low? Attends, je vais aller le chercher dans slow. Ce cas. Il est là. Ah. Moi je vais aller le chercher. Désolé, je suis pas lent. Pas des miracles. Ah non s'il te plaît, Nicolas, t'es sérieux? Jarvis qui a 440 PS de l'autre côté. Hein. L'un qui mérite. Ouais. L'avion, là au bas. Fais chier, c'est tant pis. Oh, salut. Allez, please. Ça va? Oh, je vais le tirer. Smoke screen set. Il me tire pas dessus. Oh, il me tire dessus. Il est gentil. Continue comme ça, je t'aime bien. Vas-y, j'en prends. Mais meurs juste pour voir. Oh non. Non, je rêve, je le rate. Putain, j'ai mis une peine, il est vraiment long par contre. Ouais, il est en PLS. Je vais de l'autre côté. Je vais faire le Normandie. C'est relou. Il est là, Dieu. Par contre, moi je suis 4000 HP. Je suis pas très très frais. Mais bon. Là au bac, il faudrait. T'as mis le Nick. Joli. La torpille, c'est pas trop lente. Tu vas réussir à le choper? Négatif. La torpille, non. Un feu. Wow. C'est un de moi qui m'a envoyé cette torpille. Deuxième feu sur la Oba. Joli. Tirez pas. Ma smoke se termine. C'est... La paix. Je te le spot si tu veux mettre ta smoke. Plus que 15 secondes de smoke, de toute façon il va envoyer cette torpille. Ouais. Mais sur ma gueule. Ouais, mais peut-être tomber dans mes torpilles. Ouais, je sais pas, elles auront pas la portée à mon avis. Je m'arrache, de toute façon ma smoke se termine. Ah ouais, oh non. Ça lui frôle les fesses. Ouf. Normandie, par contre, lui a frôlé autre chose. Hein. Non, moi je vais essayer de lire bonjour Normandie, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, je suis qu'à 24, c'est pas une idée. Je vais rester là, c'est bon. Ouais. On va aller chercher ça. Ok. Bon, là il est en train de pleurer, il doit être tout au sud là, en train de vagabonder pour essayer de choper le cuirassé. Ouais. Je peux vous le spot à l'hydro, le Normandie, si je veux. C'est tant qu'il serve à quelque chose. Par contre, c'est la seule qui reste, mais. Vraiment, vraiment low HP. Et de l'hydro pour le Normandie à côté de moi. Ça va, on est bien.
Normalement, si le Normandy avance tout droit, je l'intercepte ici. L'embouchure. Voilà. Vas-y, je vais reculer, essayer de le choper dans mon hydro. Même si là, c'est l'hydro aussi pour encore une minute, donc... Moi, c'est juste pour le spotter, en fait. Moi, c'était juste dans l'idée de le spotter. Ça arrive à quel... J'ai vu des torpilles venir de là, moi. Smoke screen set. Non. Non. Aïe. Ça fait mal. De vivre comme ça. Pardon. Il y a moyen qu'il en prenne une pour tout le pacasse. Ah non. Ouais, peut-être. Ouais. Il s'en prend une. Non, il dodge. Il dodge bien même. Oh, le salaud. Oh là là, moi tu pensais faire un peu de dégâts sur lui. T'as une smoke ce soir ou pas? Non. Moi j'ai plus de smoke, j'ai plus qu'un hydro et un. Le Normandie, vous pouvez arrêter d'être broadside à l'autre Normandie, c'est pas mal. Non, moi je suis broadside à l'autre. Ça manque un peu. À l'autre Normandie. Peut-être qu'on se coupe. C'est Dyson. Il prend un incendie instant, par contre derrière il veut plus. Allez, c'est parti. Il est temps de danser. Fini de toute façon, dans 20 secondes c'est terminé. Ça tombe bien, ça me laisse le temps d'aller lui faire une petite livraison au domicile. Salut. Je me demande c'est ce que j'aurais peut-être dû faire sur ce Normandie là. Ouais. Fais gaffe aux torpes du Gnezono. Je sais que je vais gaffe aux torpes du Normandie. Hein. Enfoiré. Netos. Ouais, mais moi tu vois, j'ai fait 30 minutes de plus. Moi je trouve que c'est worse. Je vais offrir sa médaille, il m'a offert une médaille. C'est donnant-donnant. Ouais, il a gros calibre le Normandie. Faut le cramer. J'essaye. Faut rester en vie surtout, ouais. C'est là où j'allais venir. Le Miyoko, s'il reste derrière son île, c'est fini. C'est le Fubuki qui a croisé la route du mur. Ouais, c'est le Fubuki qui a smoke. Ah ouais, il est là-bas. Lui, il va décéder d'ici 10 secondes. Ça m'arrangerait, je te. Allez, le Miyoko, tu vas tout droit. Le 32K. Pas de broadside, le Miyoko. Allez, hop, un mort de plus. Ouf. Ah non. Torpille, oh là là. Putain, toi. Encore retarder l'échéance. Attends. Ça donne quoi, Miyoko? Il dodge. Dodge. Il fait des non-peines, c'est fini. Finito. Bien joué, messieurs. Encore une game. C'est bonne. Je suis mort milieu de game, je suis deuxième. Bordeur. T'es mort milieu de game, mais t'es deuxième. Il y avait en plus un Nicolas AFK. Ouais. Je me suis fait un petit peu de dégâts sur sa gueule. À peine au milieu de XP. C'est pour ça que t'es deuxième, salaud. Non. Aïe. J'ai fait du dégât. Non, mais Ludwig, je sais pas, il a eu la capacité d'être dans les hauts classements. Tout ça. Bon, est-ce que vous, dans le chat vous voulez faire des snipes ou pas du tout? Sinon je vais demander à mon Zolvac favori de vous lancer snipe. Hein. Et alors Zolvac, sous H4, qu'est-ce que t'en penses? Le meilleur bateau du jeu, on est d'accord. Hein. Lequel? Le H4. Tu viens de l'avoir Zolvac, le H4? Ouais. Je pense qu'il a dû en avoir marre de son... Saint-Louis. Ouais. Allez, eh ben, Tiberius, c'est vrai contre le Saint-Louis ça. C'est à toi de choisir Tiberius. Tu veux repartir en Terre Neuve ou... C'est sûr, parce que moi il y en a un que je trahir dans son... Non, je vois ça, mais pas de soucis. Il y en a un qui trahir du crédit à côté, donc ça va.
Bah franchement, niveau Moneymaker, le jambard il est pas mal non plus. Ah, merde, ça. C'est vrai, oui, j'ai vu des screens, effectivement, c'est un très bon Moneymaker. Ouais. T'as un autre tier 9 ? Rien qu'avec la game où j'ai fait un submersible, j'ai fait 580 000. Oh yes ! Oula. Oh. Il a fait. Il a joué. Oh yes ! Il a joué tout seul dans son coin, je sais pas, il a eu un coït tout seul. Oui ? J'ai vu que je suis passé de 14 000 doublons à 4 000 doublons. Yes ! Tu sais ce que ça veut dire, ça ? Que le support a... Non. Ça veut dire qu'ils m'ont rendu mon don et mon Kutuzov. Ah. Ah. Après, on fait du T8, hein, j'annonce. Rendu ton couteau. Yes. Kutuzov, d'ailleurs, qui, avec le nerf des radars, va avoir un buff. Indirectement, mais va être buffé, quoi. Ah, mon Kutuzov, que t'es beau. C'est la prochaine mise à jour. La smoke qui va être nerfée. Non, c'est le radar qui va être nerfé avec la dissimulation. Indirectement, nerfe les radars. Tous les radars au même. À la même distance. Oh, j'aime bien quand on est top tier. On est top tier. Tout radar à la même distance, non, t'auras toujours une disparité avec forcément Atlanta et Salem qui seront en dessous. Mais vu que la dissimulation ne sera que moins 10 sur Continuum Expert. Expert en dissimulation, du coup, tu nerfs indirectement les radars et tu nerfs aussi, donc tu buffes un petit peu les smokes. Ah, c'est juste en gros le nerf de merde, Concealment Expert. C'est ça. Bon, ça va. Oui, je croyais que, je te dis, on m'a dit, oh, il va y avoir un nerf des radars, tous les radars au même niveau. J'étais en mode, mais vous êtes sérieux, mon pauvre Moxba, moi j'y touche plus jamais si vous faites ça en fait. Après, si ton radar au même niveau, tu buffes des premiums, tu nerfs des premiums. Non, tu nerfs. Si, tu nerfs des premiums, puisque le crunch shot c'est un premium. Non, tu peux pas. Ouais. Par contre, buff de toute la branche croiseur IGN, hein. La japonaise. Pourquoi ? Ouais, déjà qu'ils étaient déjà assez pétés. Je suis d'accord avec toi, Tiberius, mais tous les croiseurs reçoivent le même sigma et la même dispersion que le Zao, à partir du tier 7. Et tous là, les croiseurs ? Tous les croiseurs, mais j'ai vu une vidéo. Vous allez regarder la vidéo de Flamou sur l'Ibuki. Mais il est dans une game tier 10, mais il roule sur tout le monde. Il a le Ibuki work in progress. Et tu vois des trucs, l'Ibuki c'est un Zao-like, il les démonte les uns après les autres. Et c'est mes pinpoint quoi, il clique, ça va là. C'est énorme. Allez voir la vidéo de Flamou sur rework IGN. C'est monstrueux, monstrueux. Déjà que j'arrive pas à foutre des citas sur ces croiseurs japonais. Ils le font des sigmas de dingue. Ah oui, non, mais c'est un Sigma, c'est limite du Stalingrad-like, hein, c'est hallucinant. Hallucinant. Allez la voir, j'en dis pas plus. Mon taré. Je vous ai fait le teaser, allez la voir. Et il y a possiblement un buff aussi niveau canon de la branche DD japonaise aussi, Torpedo Bot. Qui fait tout à fait un sens d'ailleurs. Branche Torpedo Bot qui est buffé au niveau D. Canon. Ok. Canon. Ah, pourquoi pas. Why not? Après, je trouve déjà qu'il y a certains bateaux qui sont buff la Robomo aussi. Non, mais non, justement, c'est pour ça, à mon avis, qu'il buff. Ils ont gardé la peine possible d'un bébé en lapé sur Arugumo et Kaba. Je suis pas contre. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Parce que moi, si en Kaba, les gars, ils font full overpen, laisse tomber. Le Kaba, je le joue tout le temps. Ouais, Je suis le premier spoté, ce qui veut dire que forcément le compteur s'affole. Allez-y, maintenant que je suis spoté, allez-y tirer. Ouais, ils m'ont même. Bah bon, je suis même pas spoté. Oh, je te casse. Balti. Il a une bonne position, l'Ibuki aussi d'ailleurs. Ah, c'est bon, je suis spoté. Peut-être pas le Balti, non. C'est la fête au croiseur quand même. Regarde ce qu'il y a sur ma droite, sur ma gauche. Je crois ils sont tous là. Oh là, je suis en train de faire un living train sur ouais, des gens. Je vais mourir. On a du coup le Bismarck qui se met broadside devant moi qui va empêcher de tourner proprement. Bon, le Limings, ah ouais, c'est un monstrueux Limings qu'ils font. Salut. Je fais un peu de spot. Ouais, un peu, mais casse-toi vite alors. Ils sont tous derrière leur deal là pour le moment. Non, c'est juste le radar là que j'ai claqué.
le balai avec le Bismarck c'est sympathique, mais je vais le dépasser parce qu'il me saoule. Tadel sur le Baltimore. Joli. Oh, il a tourné, c'est collé à son île, mais mal. Mal à charrière sur ce tirpitz. Ouais. Donc il est en train d'enclencher les gaz. Hein. On marche arrière. On devrait jamais faire confiance à une femme. Attends, ouais, ça c'est 17. Moi je suis sur si tous les gens acceptaient ton type point. On est pas sur le même registre. Ouais, pas encore sur le même registre. Il sera tout à l'heure. Mon dieu. De peine sur le. Je crois que j'ai une peine sans dégâts. Bon, je vais lâcher les kites. Salut, le salut. Avance le Bismarck, bordel! Ouais, il est très pénible. Par peine. Bon, après, s'il pousse, vu qu'il est parti en face, ça sert à rien qu'on y aille et qu'on se suicide. Et il pousse pas. Il pousse pas. Oh, le Baltimore, je l'ai pas vu. C'est ça qui fait mal. Allez, viens, je te bouffe tes avions. Je suis Lucien Bravard. Je suis ton nouveau directeur. Mais il me casse les couilles. Lui là. Lui il mérite bien Broadside aussi. Faudrait juste finir le tirpit. Pardon? Le? Le? Ah non, désolé, je vois plus. Du coup j'aimerais bien de l'aide sur ces croiseurs. Ils sont derrière l'île. Ah, ils sont tous derrière l'île. I can't. Ouais, ça, là c'est des moules là. Oh là là, le Baltis il bouge. Oula. Pas. Quoi? Il y a un mec qui est mort. Une overpen, c'est tout? Oh, je suis shocking. Non, mais il a pas compris en fait leur CV. C'est que je suis un jambard, j'ai une bonne antière. Je suis un jambard. Le jambard. Je vais prendre pour un jambon. Je ok, moi je vais sortir. La sortie c'est par là, j'y vais. Ah, plus. Friedrich qui pousse par contre. Friedrich il y va là. Il dit ça suffit les conneries, personne n'a qu'à PD. C'est vrai qu'il serait temps qu'il se bouge le cul quand même. Nous on a qu'à PA mais en mode finger in the nose. Hein. En même temps ils étaient deux. Un DD, un croiseur, le DD est mort, c'est fini. Oh là-bas. Ah, le Saint-Louis. Le Saint-Louis. Il avance. Moi, il va être protégé. Recule. Ah, mais en fait, c'est combat de CV versus CV, quoi. C'est très drôle. Leur CV tente de torpiller, de bomber notre CV depuis tout à l'heure. Non, mais attends, mais. T'es sérieux? On a perdu notre CV avec l'Alsace? Une citadelle sur le Saint-Louis, au cas où. Idem. Notre CV était pas trop. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait, notre CV? Bah, il a voulu rester avec la flotte pour avoir de l'entière, à part qu'il s'est fait spot. Et... Je suis d'accord qu'il faut aller là, mais ouais, non. Ah, je vais peut-être reculer vu qu'elle est là. L'Alsace qui bâche. Ouais. Ou alors je peux aller me ramer aussi. Double incendie quoi. Non. Friedrich qui est broadside dans le cap. On le décape lui. Parti. Mais. Ah oui. Ah, mes obus arrivent là. Tu les vois, mes obus. C'est bien broadside. Ça peut faire un petit 20 000. Ça me... Oh, et non, tout 4000. 3 overpen broadside. Oh là là, suce mon pouce! Mon dieu! Ah, je vois que t'as un problème de type Alsace. Ah, mais. Oh, c'est raté! Faire dessus. Bon, ça par contre, je suis dans sa range de secondaire, du coup c'est chiant. Et il doit être max et secondaire. Bon, je dodge ses obus, mais c'est pas pour. Oula, allez! Ah. Ouais, 14 000, c'est cool. Joli. Oh non, mais il est broadside donc. Pas full mais Moi je t'en prie, c'est excellent. C'est le premier mort dans l'équipe, c'est le CV. Ouais, ça la fout mal, généralement. Ça c'est... Leur Alsace qui carry, il va falloir le rect. Hein. Ouais. Bon, le truc c'est que j'ai 3 mecs. Dont... C'est pas
autour de Friedrich comme ça. Et Saint-Louis derrière. Saint-Louis, faut le respot. Ouais. On va demander au CV, hein. Mais mort de rire. Oh la vache. Aïe. Arrêtez. Part sur Saint-Louis. Un feu sur l'Alsace. Ça, 5000 sur Saint-Louis, ça suffira pas. Demandez à ma batterie arrière, ça peut faire deux citadelles, mais il a pas envie. Oh, ça lui tombe sous le bras. Hop, un deuxième feu sur l'Alsace. Saint-Louis te veut, hein, par contre. Je sais pas ce que tu lui as fait. C'est quoi, l'Alsace? Non, Saint-Louis. Oui, même. Pardon. Je t'ai mis 5000 dans la nuque. On réglera ça après le stream de ce regard. Je suis bien. Désolé. Je croyais que ça passait par dessus, mais finalement non. Je tanque tes dégâts maintenant. Tes dégâts de secondaire, nice. Ils diront pas. C'est gentil, je lui ai remis un feu. Tente de finir ce Saint-Louis qui m'agace. Je sais pas ce qu'il me dit. Je pouvais juste le défoncer, ce Saint-Louis. Voilà, Saint-Louis disparu. Allez. Les 3 incendies, peut-être pas non plus pousser mes mecs, quand même. 3 incendies, tu vois. J'avais, j'y durais pas. Hein. Yo, Vapololo. Comment il va? Problem solved, sir. Ah, un deuxième feu sur le Friedrich. 8000 de face sur l'Alsace. Il faut de l'aide. I need some backup. J'ai pas envie qu'il me rame. Oui, GG ça. Ah voilà, il te ramera pas. Concentrate fire on the designated target. All stations requesting fire on the designated target. Our team has taken the lead. Enemy cruiser detected. Herman von Hunschmund, mon ami. Vous avez assassiné mon ami. Il y avait les plans du V2. Oui, c'est ça. Herman. Oui, belle mission. Voilà. Citadelle sur ce North Carolina. J'annonce la découpe. Oh merde, j'avais pas vu le char North. Et je sors comme un vieux bisu devant le char North en mode coucou. Bizarrement, j'étais un tout petit peu en première ligne. Hein. Vous êtes en mode vieux crevard derrière. Mais allez-y. En gros, t'as vu où j'étais ? On l'appelle Missouri consommable, Crosswax. Je plaisante, les gars. On est pauvre et sel, mais on est pauvre et sel gentiment. Voilà, donc déjà le tube gauche, ça part. C'est fini. Citadelle x2 sur ce type. Oh, Kiosque qui vient de prendre, c'est sale. Je l'ai pas fini, punaise, allez où ma Devastating Strike? Ah! Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Un petit feu sur ce charmant, ça serait cool. En fait, de l'aide tout court, en fait, ça serait cool. Ouais. Ben voilà. Non, j'ai passé en reload boost sur ce charmant. 5008 sur le charmant. Oui, il se met broadside. Oui, allez. Une bonne 14000. Oui, 5008, super, pas du tout ce que je voulais. Et qui a fait ça sur le char North? C'est toi? Et moi. Oh, tu la découpes! Ouais, c'était sale! Tiens, je te raye la peinture. Y'a pas besoin de cette peinture là. Juste l'arrière du jambard est moche. Oh là 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 là, ce qu'il lui a mis! Allez! Dégage c'est le char North! Vous voulez voir un Ibuki? Un Ibuki? Je le spot. Mais tu comprends pourquoi je l'aime bien le jambard? Ah oui, je comprends, ouais. Tu comprends aussi pourquoi je regrette d'avoir acheté le Salem? Ah, tu regrettes à ce point-là? Bah, je voulais absolument un spotter plane, ouais. Je l'ai pas eu, quoi. Oh. Vous pouvez finir ce Ibuki, s'il vous plaît. Oh, 5008, ça ne veut pas. Je suis à 170k, cependant, les amis. Je suis même pas 100. Enfin, si, je suis à 100. 74000. Arrêtez! Je crois que j'ai fait les dégâts. J'ai 5 citadelles aussi. S'il vous plaît. Oh non, on me le vole. J'ai fait que 2 pires. Par contre, faudra aller choper les Ibuki. Moi, je vais me ramener. Un deuxième. Oh, dommage. Bon, enfin une game descente. 2,5 millions quand même. Hein. Combien? 2,5 millions. 2,5 millions en crunchstat. Oh là là, c'est le million. Le 1,2 million de crédit. GG. Ah bah, comparé à la game de tout à l'heure.
Ignifuge, yes. Tiens. On adore. Pas ton chemise. T'as les Daisy Bookies, super chiant. Oh non, ouais. Charmeur, comment je l'ai sodomisé. T'étais un. Ah, oh, t'es là. C'était oh, t'es vieux, là. J'avoue. Pour ne pas citer MC Circulaire, voilà quoi. Enculé à sec avec du gratis. Je sais pas que vous êtes en forme ce matin, c'est cool. Ah là là. Non mais, franchement, le Jean Bar, je suis amoureux de ce bateau. Je l'aime, il est tellement bon. Donc, ouais. Je vais prendre, tiens, on a dit tier 8, vas-y prends, moi je vais prendre mon jambard. Attends, il faut que je remonte ce merveilleux KT. Alors, armement principal. Le Richelieu. C'est mon jambard à moi. Est-ce que qu'est-ce que je mets en deuxième? Propulsion modification 1, appareil à gouverner. Tigre anti-aérien ou moi je mettrais appareil gouverner si tu dois dodge, si tu te fais push et que t'es seul à défendre ton île. Je kiterai avec un appareil gouverner, mais bon. Ou alors, si t'es radar en ta smoke, si... ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est troisième module. C'est tendancieux, parce que si t'es spot dans une smoke avec un radar, faut que tu démarres très vite. Donc l'autre fait son sens. Mais en même temps, si tu sens le coup venir et que tu vois que t'as un bateau radar qui t'approche, quitte ta smoke en prévision, je pense que c'est ce que tu ferais. Et tu pars en kite avec un gouvernail très agile, quoi. À toi de voir. Attends. Alors, maniabilité. Eh bien écoute Vapolo, moi je vais très bien, j'ai mes deux comparses qui m'ont gentiment rejoint pour ce petit stream de 2 heures avec donc Lord Tiberius Solar et The Swagger que j'apprécie énormément, on a du fun. Tout seul ça n'a pas été mirobolant, attention j'ai fait 2 games de en Salem et dès qu'ils sont arrivés on a fait que des wins, tu vois, donc comme quoi il faut jouer en division, c'est le voilà. DQFD. Merde. D'accord, merci beaucoup. Hein. Je dis ce qu'ils voulaient pas dire, hein, parce que voilà quoi. Oui, des games de c'est vrai, des games de merde. Non mais je peux le dire, c'est ma chaîne perso, et je pense que... notre chaîne, je pourrais pas le dire. Je vais jouer le Richelieu, mais il va manquer le reload boost. Alors attends. Je sais pas si vous avez lu entre les lignes, mais il y a moyen que je joigne une autre chaîne Twitch. La OZFR ? Il y a moyen. Je sais pas encore, faut qu'on définisse 2-3 choses, mais notamment les horaires. Mais j'ai proposé ma candidature à Tonmu qui m'a dit grave. Apparemment, tout le monde aurait dit cool. Et à voir avec eux maintenant, à voir avec Neneu. Mais ouais. Système de visée ou entière? Nombre de CV qu'on croise, hein, je sais pas. De toute façon, ça va être rework dès que les CV nouvelle génération vont sortir. Ok, système de visée. Ouais, moi je mettrais système. Et en quatrième, propulsion, appareil à gouverner, telle est la question. Au pire, on met système de contrôle des avaries. Dans le doute, tu sais. Voilà, le temps quand que tu on choisisses, sait pas choisir, on prend le troisième. Le temps que tu choisisses, je vais mettre Lord Tiberius en Division Commander dès que t'es prête, dès que tu seras prête comme ça. Moi je vais me faire un café pendant ce temps-là. Hein. Allez. Non, le temps t'as que raison, il y a le temps. Il y a le temps, voilà. Ah, il accélère. Tu sais, quand t'es en série que The Swagger. Je vais prendre un café là. Bah, va prendre un café, vas-y. Quand The Swagger fait ses upgrades pendant que t'es en stream, tu sais, t'as un peu cette chanson qui arrive dans les oreilles. Salaud, propulsion. Allez, c'est bon, j'ai choisi. Alors. Mais attends, le bouton. Allez, il faut c'est bon, t'es prati? C'est bon? Non? Non. Oh. Tir anti-air ou recherche hydro? T'animes The Swagger, hein. J'écoute même plus. Eh ben, vous allez passer sur un stream de merde pendant 5 minutes. Hein. Je vous annonce tout de suite. Ah là là. Recherche hydro ou tir anti-air? Telle est la question. Conseillez-moi. Demande au chat. Bah ouais, justement. T'es en train de faire mon café, je suis pas là. Moi non plus, je suis pas là. Alors, par contre, jamais de la vie tu me fais des blagues rire et chanson. Hein. Ça suffit, tu me l'as fait une fois avec David. Ton quota, c'est bon? C'est bon, mon quota pour le mois est expiré de ta part. C'est... Yes, ben on s'en verra à Noël, tu verras. D'ailleurs, dans le chat, qui est-ce qui est chaud pour me dire leur avis sur ça? Moi, je pense qu'il va y avoir à nouveau un marathon du feu de Dieu. C'est pour ça que je vais peut-être calmer le jeu sur le niveau du jeu, parce que souvent les marathons c'est très crevant et tu passes ta vie sur le jeu. Mais et qui est-ce qui pense parmi vous qu'il y aura un marathon à Noël? Bon, 100%.
100%. Ouais. Je suis curieux de savoir parce que là qui disent non, non, c'est bon, on en fait deux d'affilée. Je pense que cette année il y aura juste des promotions cool, mais j'ai entendu un peu toutes les voix et j'aimerais bien avoir votre avis. Deux marathons cette année? On a eu deux marathons, on a eu l'Indianapolis et le Duke of York. Ah oui, l'Indiana. C'était l'été, certes. Le Duke, je l'ai même pas vu. Le Duke of York était à gagner en décembre et l'année d'avant, je sais plus quel bateau était à gagner en décembre. Le Graf Spee, non? Le Graf, exact. Il y avait aussi le marathon de l'OKT, même si... Et le marathon de l'Aigle. Non, il y a eu taqué le marathon, les gars. Putain, mais j'en ai raté la moitié, je crois. Et avant, il y a eu le marathon du Dunkerque. Bien avant. Allez, c'est parti. Tiberius, que j'ai mis capitaine division, qui est pas là pour lancer la game. Ah bah, vous voyez pas le maître de division. Mais remets-moi capitaine, parce que là... Les gens... Ah non, là, c'est bon, il est en train de faire son café. Nos pauvres viewers qui regardent un port depuis 5 minutes, c'est... On dirait la division Cotorette qui arrive pas à choisir. Yes, allez, c'est parti. Faut prendre le temps un petit peu là, c'est retrouvailles. Non, moi je pense qu'il y a moyen qu'il fasse un marathon pour le truc d'S. Eitel, la cuirassé T6 là. Ah, le Friedrich Eitel, oui, c'est vrai, il est. Ouais. Il y a moyen. Oh là là, il y a Davillet qui vient d'arriver, c'est bon, on va avoir droit aux blagues et les chansons entre les deux, ça va pas. Yes, Davillet. Non. Alors... J'ai besoin de toi. Après celle-ci, on lance un dernier snipe. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là pour le début de matinée de la journée. Il y a moyen, que je reprenne de 14 à 16, sur cette chaîne-là également. Ça pourrit un peu, alors ça je suis entièrement d'accord avec Stargate, ça pourrit un peu le game, ces missions marathon, parce que les gens sont focus uniquement sur leur objectif personnel. J'ai jamais été aussi d'accord avec toi que là-dessus. Mais ouais. L'event Bonavy, c'était la même. Les gens, je voyais des YOLO en mode il me faut 3 torpilles, et je voyais un truc partir tout droit vers la mort. Je mets 3 et 2 torpilles, voilà. Et il y a eu quoi d'autre comme event qui a fait la même chose, hein. C'était tout, je crois. Hein. Ouais, l'aigle aussi. J'ai même pas vu, on est top tier les gars. On est plein de tier 8, mais depuis tout à l'heure on est top tier en tier 9. Top tier en tier 8. Je pense que vous allez partir manger et on va avoir tous après des games de... de merde, ouais. Profitez-en. Vous la gagnez celle-ci, on est top tier les gars. J'aime bien dire ce qu'il veut. Zolvac, qui fait toujours dans la demi-mesure, qui me dit c'est chiant globalement. Merci Zolvac. Après t'as toujours un bateau gratos à la fin quoi. Moi j'avoue que ce qui a été un peu pénible, c'est de voir qu'il y en a plein comme certains comme nous qui ont farmé les missions pour les marathons, notamment pour l'Aigle, un bateau que je joue très peu et très mal. Et derrière, de le voir arriver en charbon, à un montant dérisoire en charbon pour tout ce que t'as farmé, l'avait un peu en travers, l'Aigle. Ah. C'est comme si tu faisais un marathon sur 5 semaines pour le Yubari et que tu le vois arriver à 13 000 de charbon, tu fais « What the fuck, man ?» Sympa. Bon après c'est ce que t'as pas à dépenser en charbon pour l'avoir. Je cherche pas de blague si tu reprends. Réveille-toi. Positif. Les classes sprint c'était bien. Ouais, moi j'ai bien aimé. En tier 5, on a roulé sur tout le monde en rôle de César. C'était poche. Ah non, j'aime pas. Oh, j'ai pas aimé mec. Oh. C'était le tier, si t'as pas un rouleau, si t'as pas un kamikaze, bah t'y arrives pas. Si t'as pas l'octobre, ouais. Si t'as pas ce genre de truc, c'est fini. Après moi je l'ai fait en combo la deuxième, donc ça va. Mais foah. C'est horrible. Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, moi je trouve que les récompenses c'était pas au niveau. Un petit kamikaze, moi j'aurais bien voulu, tu vois. Il l'avait déjà donné, ça. Vraiment c'était quoi, c'était le choc des enfin, éléments, ça. Ouais, mais j'étais pas dans le jeu. Je suis spot. Le niveau était ouf. Ah, le niveau était dingue. Roma là-bas. Roma qui... Et quelqu'un qui est en train de kiter. Un joli camo Tiberius, dis donc, sur ton Richelieu. Ma faute. Vas-y, elle est là, je suis sur ma première bordée. Chapayou, qui part en kite. Faut peut-être donner de l'aide à ce petit lightning, de toute façon, bien seul. Remarque, Antelis et FFA, c'est la même. Ouais, Antelis et FFA, il y a quand même eu des grandes disparités de niveau. Hein, et des... Pas vous, hein. Même rang 5 ou rang 6, ils m'ont vraiment dégoûté de continuer. Ah. Alors, je rencontrais les Reines et TWA, ça se passait bien, c'était un peu plus serré, tu vois. Nombre de games où c'était du 8 à 1, 8 à 2, pas possible.
J'ai spoté moi aussi, je le suis. Ah oui, il y a un. Vous le voyez. Il y a un truc par là. Ah. Il y a un DD dedans. Vous voyez. Hydro. Ah, il est là. Vous voyez la smoke. Il y a autre chose alors. Ouais, il y a la Zashio. Il y en a Zashio qui est revenu, peut-être revenu d'ici, à savoir. Ah, c'est chiant. Torpedoes to port. Voilà. Ouais, non, il y en a un qui est plein centre ici. Torpedoes donc to port. C'est des torpilles, c'est Kagero à tous les coups. Ouais, il y a moyen. Torpedoes to port. Il y a beaucoup de torpilles, beaucoup. Le boost de reload. Il y a 2 DD. Oh, jolie la torpille. Ah mais c'est pas de notre côté. 5000 sur le lion. Dead. Pour le... J'ouvre le compteur. Au moins, j'ouvre ce compteur-là. Chapaïev 22 bornes. Merde, de ralentir. Ça plante les freins sur Chapaïev. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai un destroyer qui est juste là. Oh, incendie sur le premier hit de Kagero, quoi. The ship is on fire. De la chance. Ça m'énerve aussi, ça c'est. Faut mise au but qui touche et qui touche. C'est la RNG, c'est comme ça. HAPF accélère. On accélère. Voilà. Ah, et un feu dessus. C'est vrai. Ah yes. Après 30 hits. Est-ce qu'il a l'air de. Ouais, il a l'air de tirer en approche, HAPF, j'ai l'impression. Oui. Ah mais je voulais lui foutre des sites. Oh je l'encadre bon. Il a réparé le lion. Moi je bloque un Kagero. Pardon, j'ai la voix qui part en sucette hein. Débutant en 18 000 games perdus en fin des T10, donc ça se explique cela. Alors ça. J'en ai croisé tout ce week-end et débutant en tier 10 hein. Oh là là, j'ai des games ce week-end mais. Des games gagnés hein. Ou des gens vont se suicider mais. Genre, ah là bah y'a un cap qu'on n'a pas, faut y aller. Mais on en a déjà 2 sur 3 mec. Non non faut y aller. Non mais mec je t'explique. Ok, ah bon écoute tu peux pas comprendre. Laissez-moi farmer mes dégâts. Ah dommage j'étais mort. Bon par contre je suis toujours détecté, ça c'est la marde. Oui moi aussi, c'est relou. Il est là, Akatsuki, il m'a envoyé ses torpilles. J'ai pas le spot de la Sashio. Ça lâche, tant pis. J'ai double DD, je vais mettre derrière mon île. Putain, mais vas-y, mais un peu. Certain. Bien sûr, au moment je passe à l'HE pour les DD, j'ai qui est-ce qui arrive? Un lion, broadside. T'inquiète pas, il a réparé, il est pour toi. S'il me remet un feu, je suis dégoûté. What? Allez, tourne, tourne. Mais torpille, salope. Je fais le incendie. Petit dodge parfait des torpilles. Tu parles de Mongol, moi je suis face à 2 DD. Ouais, le truc c'est que j'ai le chapi sur moi et c'est chiant. J'ai exploité les broussailles là-bas. Tellement j'avais un hydro. Très bien ça, hydro. Oh là là, il est là. Salut. Ah dommage. Moment, vas-y. Je crois que je peux y aller en mode YOLO. Vas-y. Il me tente à chaque fois, qu'une... ce swagger. On a qu'une vie. Allez. Ah, aïe! Mais. Les torpilles d'Azashu, elles touchent plus les croiseurs? Non, elles touchent plus les croiseurs. Oh, c'est 10 000! C'est les freins, ah. Mon copain, c'est les freins! Oui! Ah, ce décès que tu vas prendre. Oh là là, ce dodge que je viens de faire, surtout, mec! Allez, décède. Ah non. Oh. On appelle ça un torpedo beat des familles. Je te laisse. Lui pour là ton ton. Oh là là, je laisse à 170. Tu arrives à le finir. Ma batterie secondaire va bien se... arrêter de se toucher. Ah, je t'avais laissé juste pour ta médaille. Ma médaille donc. Hein. Je me sens un peu seul. Bizarrement, ah, c'est dommage. Moi je vais sur C. Et j'en ai sa chio par contre, ça va rentrer, ça sent pas bon du tout. Ça c'est relou. David qui me dit GG. Ouais, oh, attends, c'est pas, c'est fini hein, je vais finir à 27 000 en Richelieu. Comment ça
l'impression de jouer en conque et lol. Oh oui, là ça je suis en mode widespread. Oh ça c'est bonnard. T'en as de la chance. Mais oh, de l'aide, de l'aide. Il faut de l'aide. Lui à moi c'est Akatsuki. Bande de salaud. Merde. Torpedo, direct front. Mais. Enemy destroyer blown up. Tu crois que je te vois pas? Ce sont mes DD. Mais. Bon, moi je vais aller défendre. Engine boost sur B. J'ai un chapaillet sur le dos, en mode aucun problème. Voilà. Bon, je suis obligé de réparer un flood donc. Autant vous dire que je vais aller rusher un Asashio. Moi je t'aide pas. Reviens, au pire, reviens sur C. Hein. Non, reviens, il a envoyé des torpilles, mec, l'Asashio. Si je vais ici, si je vais ici, il y a des torpilles qui arrivent directement vers vous, les gars, c'est sûr. Et voilà, j'étais sûr de ça. Pas de virage en Richelieu, tout droit jusqu'au matin. C'est un navire fait pour moi, ça. Richelieu, mieux que Jean Barre. Le mec qui a la rage de pas avoir le Jean Barre, tu sais. Ce YOLO que je fais. Le Richelieu m'incite à faire du YOLO. Oh là là, mais arrêtez de mourir! Ils sont pas bons. Ah non, ils sont pas bons, non. Dallas, par contre. C'est pas gentil. Enfin, je rush, mais il est sorti de sa smoke depuis longtemps. Il reste 2 DD, hein. Oh, il est là. Bon, adieu maintenant. Oh, DD! T'es sûr? Adieu! Ah non, mais on a une équipe de bulots, mais. Avec nous, c'était quand même assez scandaleux. Ce Dallas, c'est incroyable. Quel Stargate, quel viseur utilises-tu? J'utilise le viseur type 7 statique. Mais c'est incroyable! Tiberius, il adore les die-hards. C'est incroyable. Il est en mode. Oh mon dieu. Ah je suis spot. Je suis un cuirassé, vous ne mourrez jamais. N'empêche, je pense qu'avec mes petits 40k dégâts, il y a moyen que je fasse haut du tableau, enfin haut du tableau parce que j'ai eu que des dégâts sur des DD quasiment. Je suis spot. Ah l'Ognevoy. Ah je vais chercher l'Ognevoy. Là on a une bonne team de bulot là. De was, oui, de was, en fait, désolé les gars, hop, dans donc paramètres, contrôle et select crosshair, c'est bien ça, statique, type 7. Si tu pouvais me choper l'angle de voix, ça serait pas mal. Ouais, il a balancé deux racks sur moi. Ah, c'est chiant. Fire. Il m'a balancé deux racks, j'ai pris un flood. C'est énorme ce qui se passe, à chaque fois c'est... T'es devant aussi, hein, moi je peux rien faire. Dit-il, ça te dérange pas de mettre 5000 dans la nuque? Putain, mais y'a un DD qui m'a remis un feu, c'est une blague ça. Allez, secondaire, allez. Deux feux! Non, c'est le chapeau, il m'a fait peur. C'est le chapaillou. Ah, il m'a fait peur. Putain, j'ai fait 72 000, c'est nul. Genre, t'es pas mort, Tiberius? Oh, il est en PLS, hein. Flood. Il y a moyen qu'il fasse un peu de dégâts sur. Si j'avais. Ouais. Si j'avais pas été détecté par ce Chapaïev sur la Sachio, j'aurais pu rusher la smoke de la Sachio plus tranquille. Ah, le Chapaïev, il a été bien relou. C'est bien bon, ouais. 72 000, c'est triste. Quand même 6000 de dégâts de spot en Richelieu. Oh Stargate, merci pour ton follow. Bienvenue à toi sur la chaîne Grosse Fax. C'est Stargate, autant pour moi. Mon retour est tellement petit que je lis mal les pseudonymes. Donc Stargate, autant pour moi. Derrière la Sacho qui tente des torpilles sur ce cher Tiberius. Tiberius, là, tu me penses que t'es même plus en PS, t'es en PFS là.
Allez, le Chapaïev peut-être. Il le bait. Chapaïev. Devastating Strike, maintenant. Oh, c'est pas bien. Dommage. Ah, rien du tout. Rien du tout. De l'autre côté, ils étaient pas morts comme des merdes aussi. C'est vrai. J'ai quand même 1000 d'XP libre. Je fais 3ème, je suis mort depuis 20 minutes. Oh là 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 là. Bah, c'était... regarde notre team quoi. Bah voilà. Tu vois que ça dépasse pas 700. Voilà. Ah, le Chapaïev. Ah, le Chapaïev s'est régalé. Ah, il s'est régalé, hein. Je suis d'humeur gentille aujourd'hui. Bon, le tier 8 de The Swagger, c'était sympathique. On va partir sur un tier 10, si vous voulez bien, messieurs. Kraken, le Chapa, GG. Ouais, ouais, Kraken, le Chapa. Ouais. Il a géré. Il a géré, oui, oui, complètement. Et ce sera donc la dernière. S'il y en a qui sont chauds pour faire un petit snipe dans le chat, dès que tout le monde sera prêt. Dès que tout le monde sera prêt, bien évidemment. Ouais, c'est vrai que tu vous avez le droit de me demander une chanson à la guitare, si je risque de crever très rapidement. Un petit snipe en tier 10, messieurs, si vous êtes chaud. Je suis au taf. Ouais, bon, tout le monde est au taf, j'ai l'impression. Vite fait. Attends encore 5 secondes voir si du monde de chaud. Non, on lance. Allez, non, on va lancer, messieurs. C'est parti. Donc, République Yamato Henri IV. Vous avez vu un peu le event ce week-end? Ouais, 1 million d'euros. Ouais. Pour Médecins Sans Frontières, c'était vraiment génial. J'ai suivi le live de Mister MV. La dinguerie. C'est cool, hein. Ah, hier soir, là, MV, il m'a tué. Ah, MV, non. L'an dernier, ils avaient fait 450 000, ouais, cette année, ils ont fait 1 million. J'ai halluciné. Ils, ah, ils ont fait plus d'un million, laisse tomber. Et en plus, ma femme 700 000. Qui... Ouais. Pouf. Ma femme qui travaille en plus dans la santé, et bizarrement, qui... Bon, c'est... Tout ça, Twitch, elle lui est très étrange, et tout ça, etc. Mais pour le coup, quand elle me dit que je regarde et tout, elle voit le logo Médecins Sans Frontières, et donc elle qui bosse à l'hôpital des enfants, c'est vrai qu'elle était là en mode punaise, c'est excellent cette communauté finalement. On pense souvent que les gamers sont encore le vieil adage pour ces dames, c'est un peu le côté geek boutonneux qui sort pas de chez lui, qui a un peu de vie sociale. Et finalement, non mais dans les grandes lignes, en rigolant, hein, bien évidemment, ma femme est geekette aussi, et son iPad 6h sur 24. Bref, mais elle pensait vraiment pas que Twitch était une plateforme qui avait cette possibilité-là en fait de générer du don à ce niveau-là, et ça l'a vraiment vraiment marqué. Donc, tandis qu'il n'y a pas vraiment de réaction directe du personnel médical, je vous assure que là, ouais. Let's give them a hard time. 300k les dernières Mizzlevac, mais oui. Mais c'était 450 les dernières. Mister MV à lui tout seul, c'est vrai qu'il a généré du bon monde. Non mais à la fin c'était trop drôle, gros. Allez, le million, le million. Ah ouais, ouais, ouais. Il est parti sur une séance d'hypnose, c'est assez drôle. Ah, lui-même, bon. Il compose de la musique en même temps, et c'est... On a discuté très brièvement avec lui sur son chat, c'est... malgré la foule qu'il y avait. Pas dans ce stream-là, un autre qui était bien plus tardif. Et en fait, je vois que niveau matos, il est tout de fou curieux, hein, le type. Oh, à fond là-dedans. Et c'est un des premiers qui a été sur Twitch, hein, Mister MV. Le Z-Event, ouais, Straget. C'est un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille, il a quasiment 40 piges. Hein. Non, mais surtout, c'est de voir que des personnalités comme ça ont pu générer autant, c'est vraiment hyper cool. Et hyper fier de... Dans ce moment-là, c'est vrai, je suis hyper fier d'être français, quoi. Sans aucun chauvinisme, aucun. Alors.
Donc toi t'es des Ardennes en fait, j'ai compris The Swagger. Yes. Et toi Tiberius, t'as regardé Duffy toi hier? Bah oui, j'étais des avec Bretons. Des Bretons, d'où ça? Brest. Yes. J'habitais là-bas pendant longtemps. Enfin, au-dessus de Brest. 40 ans, c'est pas vu, j'en ai 78. Ah non, mais c'est un vieux de la vieille de Twitch. Attention. Attention, j'en ai 33. Je vais pas dire 40 ans, c'est vieux, j'y arrive. Donc... Honnêtement, il y a une ville là où j'habite qui commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Ah bon? Toulon. Et comment s'appelle la ville? Toulon. Tu connais Niski, quand il est fier quand il gagne, sinon quand il perd il est belge. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire sur le côté d'être fier, c'est fier de la communauté française de gamers qui donne. C'est, mais c'est vrai que. Faut comprendre. Winpei, Vapen de Yamato sur un Knarf, ça donne 2960 points. Waouh! Pas mal. Allez, la Rugumo. Oh là, la Rugumo, c'est 7000! Une peine sur la Rugumo, ça c'est cool. Oui, joli les gars, très très bien, très très bien. Je suis obligé de qualité par contre, je sens que j'ai pris un fouc. Il y avait un petit F3 qui commençait à être sur moi après avoir été sur Kita. T'inquiète. Voilà, c'est ça dont je parlais, le Yamato. Yamato qui avance. Bonsoir. Qu'est-ce que t'en penses du République secondaire? Espèce secondaire? Non, 100 mm en secondaire, ça sert à rien. Ok. Je vais rentrer à mon capitaine. Même l'Alsace en secondaire, hein, à part mettre des feux à 100 mm, à sert à que dalle. Rentre une secondaire d'un GK à 150. Un petit moine qui a réussi à passer entre deux. Ah oui, d'ailleurs, je vous envoie sur le Facebook, ils ont sorti en fait une conférence de presse sur Wargaming aux États-Unis en disant que toutes les AP allaient passer automatiquement à la cheux dans un prochain patch. Toutes les AP. Toutes les secondaires, pardon. Toutes les secondaires AP seraient uniquement à cheux. Replay cuirassé allemand. Rip les cuirassés allemands à 152 mm qui faisaient gaver de dégâts. Mais gaver. Mais ils sont cons. Pourquoi en fait? Ils veulent revoir la mécanique de Flood aussi. Il sera plus unidirectionnel. Apparemment, il y a le Flood arrière, Flood avant, Flood latéral. Faut que je retrouve le PowerPoint. Il est monstrueux. En gros, c'est la roadmap de Wargaming sur les prochains mois. Et c'est une roadmap officielle, hein. Vraiment une conférence de presse organisée sur l'avenir du jeu. J'ai appris des trucs qui m'ont fait plaisir, d'autres un peu moins, je dois l'avouer. J'embarque à réparer. Ça tente des obus de Yamato. Normal. Donc j'ai des torpilles qui sont incoming de là. Ouais. Et je crois que c'est ouais, c'est leur Yugo, hein. Oh, deux overpens sur un Bismarck broadside, please. Wargaming, please. Faudrait qu'ils retravaillent aussi cette mécanique. Bah, de toute façon, les pens sans dégâts, par contre, ils ont dit qu'ils annulaient. Le PowerPoint dit que les pens sans dégâts vont rester. Et ça me faisait pas plaisir. Mort de rire. C'est Shimakaze, autant pour moi. Deux pens, dont une sans dégâts, justement, sur ce Yamato. Shima, messieurs, on a une cible. Ouais. Je vais annuler. Mercredi, il rentre, il fait un virage inter. Oh, t'as quand même mis un obus? Non, sur le Shima que dalle. Par contre, il a démonté notre Arogumo. Ouais, clairement. C'est beau. C'est mon speed pour Je sens qu'on va la lose. Mais non, regarde. Détends-toi, mon cher Tiberius, tu vois. Ça va bien se passer. Torpedoes to port. Je me rends ça d'un Yamato, tout va bien. Il y a le démoine qui est en plein milieu. Le démoine, une fois que le jambard est mort, je vais lui shooter, tu vois. 7005 sur ce Yamato. Voilà. Jambard dérape, bien joué, The Swag. Et jambard a. Si jambard a eu Archangel, c'est pas le TWA par contre qu'il a eu. Hein. Ce matin, j'ai regardé Megalodon. Ah, mon dieu. Ah, The Meg? Oh, il paraît que c'est nul à. Ouais. C'est nul à. C'est nul à. Chier donc, hein. Mon dieu. Non, on le garde pour un film troll qu'on voit entre potes aujourd'hui. Jason Statham, qu'as-tu fait? On
pense qu'il a juste pris son chèque, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, joli Kita. Oh, dommage, le disrespect. Shima qui défonce un Kita au canon. Après, il était pas full life, quoi. Demoine. Moi, je sais pas, c'est Demoine. Demoine, j'arrive pas à le... On cap Alpha, tranquillou au niveau des canons. On évite de se faire spot. Et on va aller aider notre Demoine, il faut sauver lui, là. Il faut sauver le soldat Demoine. Bah, si on sauve notre Demoine et que le Z52 continue à les en kikiner pour parler proprement sur C, ça peut être cool. Il faut choper ce Demoine. On est devant membre de DD abattu. Là, je prends un tir sur Bismarck. Allez, Bismarck, s'il te plaît. Prends ça dans la besace. Je tire comme mais c'est pas vrai. 11 000 sur Bismarck. Enfin, je fais quelque chose de propre. Enfin. Je vais essayer de foutre des feux sur Liam. Au pire, je m'occupe des deux cuirassés si vous voulez. Les deux cuirassés, on peut venir aussi par l'aide. Hein. Si vous voulez repasser par le middle. Je passe pas par middle, je vais aider en pointe ici là. Je vais joindre des moines. Hein. Ok. Encore un 12 000 sur Bismarck. Cool. Pas du dégât. Mais oh, mais Yamato quoi, le Sigma de 2,1, tu l'as mis où là? Il y a une réponse qui était partie dans ma tête, mais... Alors, on a demandé d'aviler... Par le colonel... Avec ton répu, tu es en full secondaire ou full survie? Full survie. Full survie. Que comme ça que je le tiens. Avec le spam HE que t'as dans ces games-là, bon, malheureusement, je suis pas du côté... Enfin, heureusement ou malheureusement, je suis pas du côté des Wooster ni côté DM, mais il te faut de la survie. T'as d'ailleurs Wooster et DM qui vont encadrer notre Z. Donc le Z, il fuit. Et mon boost de moteur arrive à sa fin. Engine boost deactivated. 32 nœuds, j'ai l'impression de me traîner. Donc le démon. Concentrate fire on the target. Oh, je vais essayer d'aller sur B. Je suis spot. Spot par quoi? C'est pas une bonne idée. Pas grave. Par quoi? Il nous manque un DD chez eux en spot, hein. Ouais. Et on l'a pas vu une seule fois de la game. Ouais, c'est leur Yugu. Alors là, le Yamato. Ah, le démoine, je l'avais en spot. Peur qu'il va tenter de nous m'aligner 2-3 obus. Le Yamato, middle, fais gaffe. Donc, ça ne me concerne pas pour l'instant. C'est cool, c'est gentil, mais ça ne me concerne pas. Oh, il est pas sûr. Les 3 sur le dos. Ça y est. Demoine. C'est lui qu'il faut choper. Citadelle sur le Montana à 22 000. I see you. Oh, please. C'est bon. Je prends le focus. Et le Z, il faudrait qu'il fasse quelque chose là. Le Z, les torpilles, est-ce qu'elles vont toucher le Monta? Oui, ça... Hein? Ça touche pas? Non, ça touche pas. C'est lui qui me met des cibles. Le Z qui s'est fait du coup spot, ils vont tous fondre sur le Z. Et moi j'ai manqué. Ouais, j'ai manqué mon tir sur Demon, c'était fatal. J'ai pas eu 36 occasions et je l'ai manqué, superbe. Bien joué, Kran. Yamato. Moi je joue en secondaire et j'ai jamais eu de problème, dit Terrano. Ouais, c'est vrai, j'ai vu que tu joues aussi Montana secondaire et comme je te le dis en stream, j'étais assez étonné. Je peux pas penser que c'est irréviable. Yamato, 9000 PS, je vous le laisse les amis. Et on... J'espère qu'il va juste pas me mettre ma claque. C'est bon, okay, c'est bon. J'ai Tiberius. Je vais pouvoir caper. Enfin caper. Ça serait bien que l'argument cap. Par contre le démon, il a certes évité une sentence, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il fait maintenant en fait. Revenez, je vais essayer de caper B. Puis c'est quoi ça?
Non, Zao. Zao, fait chier. Aïe. Ça va bien. Bon, on va perdre une autre Z. Après notre Z, je les ai emmenés loin. On a 400 points de retard. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais bien choper ce Zao Broadside. S'il vous plaît. 8 minutes. Well done, Commander. Je suis localisé. Ah. Toujours pas vu leur Yugumo. Hein. Je vais venir avec toi pour pousser les mid parce que ça n'a aucun sens ce que je fais ici. Je me suis contre 3. Torpille. Voilà, Zao. Alors j'ai vu Terrano, tu as posté une game, effectivement, faut que j'aille le voir. Allez, meurs, meurs s'il te plaît. Ça j'ai hier, si hier je finissais du taf jusqu'à 3h du matin, je t'avouerai donc. Il survit à rien, c'est dommage. Zao ? Ouais. Je crois qu'il m'a balancé par contre le second rack, fais gaffe. Voilà, regarde. Ouais. Le second rack, faites gaffe. Je ping sur toi, mais no hard feeling. Hein. Attends. Le truc, c'est que le Yamato, il peut me dévaster en fait. Yamato, non, il repart à l'intérieur, il est là. Ouais, ouais, je sais, mais en fait, il faut que je push sur ce Zao. Et le truc, c'est que. Non, tu vois, Yamato, t'es pseudo. Ouais, non, t'es pas couvert en fait. Tu vois, c'est ça le problème. Ah ouais, ouais, je vois. S'il te plaît. Aïe. Ça va. Je suis détecté. Là, Zao. Là, j'ai pris un petit réflexe, est-ce que ça va toucher? La batterie arrière, allez, la batterie arrière. Quoi? Non, c'est bon. Quoi? Je touche pas. Je termine au canon. C'est bon. Il a plus de torpille, c'est bon. D'où je le touche pas? C'est bon, t'inquiète. Ah non, mais même quoi, mec. J'ai pris un petit réflexe, il était dessus, hein. Je regarderai le replay, mais. Dégoûté. Et je peux essayer de caper en scred ou alors on peut push le Yam. Si quelqu'un est chaud, on push le Yam. On push ici. Je push sur le Wooster. 12 000 sur Wooster. Confirmed penetration. Oh, le Yam va être juste horrible. Les mains qui défendent le travail. Putain, full overpen. Salut. Le retour. C'est vrai qu'il est fou de secondaire. Putain, mais touche! Putain, mon Yamato là! C'est pas où? C'est où ça? Bon, je vais essayer de me faire le Yam. Oh le con. Aïe aïe aïe. Mais je suis con! Oh là là, j'arrive pas à lui mettre autre chose que les overpen. Ça, c'est insane d'être aussi con. Oh, il a réparé. Yes. Yugumo. Oh Yugumo, je vais. Je crois qu'il a AFK mec, il a AFK. Ouais il a AFK. Je m'occupe pas là, je m'occupe juste du Yam, je vais juste le faire flamber. J'aurais pas dû tirer dessus, j'ai pas vu qu'il était AFK. J'avais pas de cheminée. Oh 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 oh. Allez. Tu as bouffé ta torche. GK qui. Moi je suis mort. Aïe 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 aïe. J'ai une disperse de porc, regarde ça quoi. Fuck my life. La République est un bateau précis. Oui, oui, bien sûr, absolument. Mais avec d'autres j'ai personnes. J'ai bien fait la seconde sur le. sur le Yugumo. Le Yugumo, s'il prend un flood, il est mort. Oh, il est mort. Mais touche, Yamato! Touche! Je te demande de toucher, c'est ouf, ça! Ah, j'ai du soutien derrière, c'est cool. Non, il fallait vraiment de l'aide sur Siam. Ouais, dommage. Qu'est-ce que j'ai pu, loulou? C'est pas grave, c'est pas grave. Faut KPC, il nous reste 4 minutes. Là on est bien. Attends. Faut pas de bateau là. J'ai un peu peur du démon, j'avoue. Et du spamache sur le GK. Bah on finit le Worcester, il faut finir le Worcester. Ouais, finis le Worcester. Comme ça j'attaque directement sur le Bismarck et sur le. Pas d'angle. Normalement il a la salle de Bismarck qui durait plus qu'il part, ça devrait être bien. Je vois pas trop l'emboîtage, la Bismarck. Hein. Allez, le GK, t'exploses le monde. Regarde, ils sont.
Ils sont collés l'un sur l'autre là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont collés les deux mecs. Dispersion. Oh, joli. It's the blue sky. Rip. Ouais. Bon, bah c'est bon normalement. Pourquoi ils passent au nord, ils sont bêtes? Oh, deux overpen. Passer entre les deux îles, c'était bon pour qu'ils se passent au sud, le Bismarck et le Dewan. Finissez le Worcester, finis le Montana. Attends, ce que Bismarck touche à la HE là. Bah voilà. Même pas eu besoin. Quand même que je fasse un kill. Je suis dans ce. C'est bon, on a 5 kills dans la division. Voilà. Ouais, j'en ai fait qu'un hein. J'en ai fait 3. T'es le meilleur. Dommage, j'aurais pu choper. Si vous avez tiré un peu plus sur le Yam, j'aurais pu le choper au feu. J'aurais pu faire frappe double. Dommage. Heureusement qu'ils avaient un Yugo FK aussi, hein. On le dit pas, mais heureusement. Hein. Ouais, ça arrive. Comme quoi les AFK retournent des games. Ouais, des mauvais DD ou des AFK retournent des games. C'est ça qui est chiant, t'as beau être bon, tu peux jamais prédire l'avenir de la game. Parce que si t'as un DD qui est mauvais ou qui est bon, ça peut tout changer. Si t'as un CV qui est bon ou mauvais, c'est fini. C'est vrai. C'est... ignoble. Qui c'est qui va réussir à le kill? Non, c'est pas moi, je pensais qu'il est tourné. Allez, complètement... Tiberius. Non, c'est pas moi. Moi j'ai confiance en toi, Tiberius. Et j'ai fait un pari qui n'a pas du tout été le bon. Ouh, Tiberius. Oh, Tiberius, tu tires à côté, mais non. La dernière, peut-être? Engine boost deactivated. Ah, yes. Joli mec. Mais eu peur, hein, sur la première game, la première salve. T'as pas vu la mienne, hein. La mienne était moche. Hein. J'ai prédit qu'elle allait tourner totalement de l'autre côté. Et je fais Dreadnought. Dreadnought, ok. Oh, mais je prends. Hein. C'est gratuit. Bon, après, on a un Cossack qui a quasiment autant d'XP que leur Yugumo au passage. Hein. C'est vrai. Ça va. Ce qu'il a voulu faire. Les tags de clan vert, c'est qu'ils sont dans quelle ligue? Oh. Bonne question. Quelqu'un a la réponse. Je crois qu'on a pas mal tanké pendant la game, hein, je crois. Je crois que j'ai tanké 1 800 000. J'étais complimenté. Bon, c'est cool. 3 100 000. 3 100 000 GK. Ouais. Et le mais ça va. 3 100 000, ça c'est bien. Ouais. C'est que... nice. Et parce qu'il a bien tanké les, le Bismarck et Montana. Eh bien écoutez, ouais, c'est cool messieurs, je vais vous laisser 40 minutes le temps de me restaurer et on se retrouve de 14h à 16h pour un deuxième partie de live. Et c'est temps pour moi de vous remercier pour les games et de vous dire de bon appétit. Puis si vous êtes là tout à l'heure, c'est avec plaisir en tout cas. Merci. Tu seras là ce soir ou pas? Possible. Ouais, possible. Je serai là. Tiberius, tu seras là ou pas? Possible, ouais. Ok, bah écoutez les gars, à dans 40 minutes alors. À toutes. 40, temps de faire. Temps de faire. Couscous. C'est ça, moi c'est temps couscous. De faire juste une soupe et. D'aboire. Sérieux ouais. Une soupe? Exact. Une soupe en 40 minutes, c'est chaud quand même. Pourquoi sérieux ouais, une soupe 5 minutes, hein. Non, mais je veux savoir ce qu'il y a derrière le sérieux. Je suis pas un mais fais-toi une côte de bœuf, fais-toi des frites, on arrive en hiver. Je ne mange pas de viande rouge, déjà. Mal barré. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je ne digère pas ça. C'est dommage. C'est con, j'ai pas les bonnes enzymes. C'est ballot, du coup, moi, ma vie, c'est poulet c'est poisson. tu rates des trucs, hein, tu rates. Non, mais le pire, c'est que j'aime ça. Mais j'aime le goût, j'aime l'odeur, mais je porte mon bide comme si je portais un enfant pendant 3 jours si j'en mange. Donc. Enfin, bref, assez parlé de ma vie. Du coup, ce sera soupe, et ce sera soupe au poulet, donc, et vous voulez tout savoir. Et donc, je vous dis à dans 40 minutes pour la suite du stream. On repartira pour 2 petites heures de fun, et donc, je vous dis, restez connectés. À toutes! La soupe au poulet. Il coupe sur un truc soupe au poulet.